Donc là, on est sur le modèle Mega. Donc la Mega, en fait, c'est l'équivalent de la Play. Donc sur un cambre classique au niveau du patin, deux flat zones, cambre plat au niveau des deux extrémités pour conserver une board joueuse et à la fois accrocheuse pour la piste et pour les appels ou les réceptions de kicker. Toujours sur une structure bois. Le strut turn au niveau de la semelle pour apporter une très bonne glisse et sur une presse autrichienne. Voilà. Merci. De rien. Bon, Ludo pour la Freeride TV. Dernière board des tests. Donc je viens de tester la DC Mega. Donc une board pure twin orientée freestyle, mais assez polyvalente parce que cam classique entre les fixes, mais cam flat en spatule. Donc ça donne une board très accrocheuse, un gros pop, très gros holly aussi. On sent qu'en spatule c'est assez raide, ça se déforme pas comme ça. Mais quand ça part, quand ça monte, bah, on le sent quoi, ça monte vraiment bien en holly. Et donc voilà, ça en fait une très bonne board de parc assez péchu quand même. Mais hyper polyvalente sur une neige dure comme aujourd'hui avec laquelle sur laquelle on est là. Voilà, donc très bonne board, une pure twin aussi. Donc voilà, bonne board de parc, péchu. Merci.